Hey tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode de Minecraft Aventura. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux à regarder ces épisodes. Et c'est parti, on envoie l'aventure. Alors, Aventura, jouer dans ce monde. J'avais pu regarder le dernier épisode parce que j'avais mis un petit moment de pause et je me rappelle plus trop où est-ce que je m'en étais arrêté. Si, j'avais trouvé du fer et ensuite je voulais vous montrer le village des gobelins. Alors hop, on va laisser un tout petit peu charger parce qu'à mon avis ça doit bien laguer. Non, a priori ça a l'air d'aller. Donc comme j'étais... Hop là. Alors on va récupérer déjà ça. En train de vous dire... je vais créer une épée de fer, juste une seule, et aller vous montrer le village de gobelins, à quel point il est vraiment extrême ce village. Comme ça, vous verrez à peu près la difficulté de ce village de gobelins. Gobelins, c'est ça, ou lutin, je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus si c'est des gobelins, enfin excusez-moi si je me trompe. C'est juste que je me rappelle plus du nom. Non, je crois pas que c'est des gobelins. Enfin, je me rappelle plus trop du nom. Je suis en train d'essayer de réfléchir à comment ils s'appellent. C'est petit. Alors, écoutez, on va prendre ça, on va mettre là. Hop là. Est-ce que j'ai un coffre? Oui, coffre à merde. Alors, on va déposer, parce que là, je risque de mourir, donc je vais tout déposer dedans. Alors, excusez-moi, je ne connais pas encore les touches pour déplacer rapidement. Alors, ça, je garde, ça, je dépose, ça, je dépose. Ça aussi, même si c'est pas trop important. Ça, je dépose, c'est très important. Ça aussi, le fer, le bois, la terre, les bâtons... Les pancartes, le champignon, et ça. Hop, la dernière épée. Et ça devrait le faire. Donc, je vais dormir, attendre le lever du jour. Pour vous montrer ce fameux village. Voilà. Alors, normalement, si je me rappelle bien, il se trouve derrière ces bois. Alors là, on a un creeper. Ça commence... très très mal, on a un creeper, on a un cheval et un mouton qui prennent leur bain. Bonjour les petits, alors faut pas que j'oublie qu'il y ait des monstres d'eau, des gobelins d'eau, des golems d'eau. Non, c'est bien des gobelins, c'est des golems et des gobelins, non c'est juste, c'est bien des gobelins. Il y a des golems d'eau. Alors, normalement, alors un ender, on va pas le regarder. Oh non, un psycho, non. Ressuscité. Alors là, ce qui vient de me tuer, c'était un psycho. Oh putain. Un méchant psychopathe qui vient de me tuer. Et eux, ils ont le... Oh putain, j'ai le creeper qui est juste devant moi. Ça va pas le faire. Ces putains de... psycho ont le don de s'emparer de votre esprit en quelque sorte et de vous tuer psychologiquement, quoi. Et c'est vraiment très chiant. Alors hop, on va prendre le risque. Heureusement que j'avais encore une épée, parce que là, j'ai un peu merdé. Vous voyez déjà à quel point c'est très vraiment chiant. Je me demandais pourquoi je m'étais fait attaquer. Et si vous repassez la séquence, vous verrez qu'à gauche, entre les arbres, il y avait le gars. Et puis voilà, quoi, il m'a foutu à terre, à une vitesse phénoménale. Alors là, on a un squelette. Ah putain, il est là! Il est là! Non! Ah, je suis deg! Psychopathe! Voilà, alors ça fait la deuxième fois que je meurs, donc j'ai bouffé mes deux vies à cause d'un putain de psychopathe. Là, j'ai l'impression de voir les aventures de I Play For You. Je sais plus, je crois que c'était dans la saison 6, un truc comme ça, qui était mort à cause d'un de ces psychopathes. Et là, je savais pas qu'il était encore là, je pensais qu'il serait parti, mais non, a priori non. Donc ça a été très très rapide, il m'a vite tué et c'est vraiment désagréable, quoi. Bon ben l'aventure s'arrêtera là, je suis désolé d'avoir mis tout ce temps à faire mes vidéos, c'est juste que j'avais beaucoup de boulot à faire
dans ma vie privée et tout ça, par rapport à mon travail personnel et non mes vidéos. Donc voilà pourquoi j'ai mis trop de temps à faire ces vidéos. Là, on se retrouve pour le quatrième épisode qui a à peine duré 5 minutes et je meurs déjà au bout de la cinquième minute. Au bout de 5 minutes de jeu. Donc voilà, désolé si ça a été vraiment court, c'était juste pour vous faire une petite aventure, comme quoi je peux faire mes vidéos et mes aventures complètes. On se retrouvera prochainement pour du let's play sur Medal of Honor, le tout premier, et peut-être par la suite sur Medal of Honor Warfighter. J'essaierai de les finir entièrement ces jeux, ce sera une grande promesse que je vais tenir, car comme vous le savez très bien, j'ai du mal à tenir mes promesses quand je fais des let's play. Mais ceux-là, c'est deux jeux que j'aime super bien, qui sont assez courts à finir. Et donc, il n'y aura pas de problème pour les finir en vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Bye bye, c'était Mike pour vous servir. Ciao, ciao tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Allez, ciao tout le monde.